Hello, aujourd'hui c'est Drop Mask numéro 10. Très contente de vous retrouver par ici. Donc écoutez, on va commencer d'abord l'unboxing comme tous les jours et ensuite je vous explique c'est quoi le Drop Mask, pourquoi je fais ça et je vous explique tout quoi. Bon, c'est parti, on passe à l'unboxing. Donc voilà le petit bébé, je suis trop contente. J'espère que ça va vous plaire. C'est la première fois que j'en ai un. Je cache comme d'habitude. Franchement, je pense que ça va vous plaire. En vrai, je pense que oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a là? Une boîte orange. Donc, je sais pas vous, mais moi, j'adore les boîtes oranges. Et on va découvrir ensemble ce que c'est. Je vais l'ouvrir délicatement. Donc là, je vais juste regarder ma petite étiquette de prix pour avoir le prix en tête. Ok. Et donc, oh, j'adore, je sais exactement ce que c'est, vous allez adorer, j'adore, je suis fan. C'est incroyable. Nous avons là un agenda de la maison Hermès. Trop heureuse du coup, enfin vraiment, ça me fait ultra plaisir. On est sur l'agenda Ulysse, mais impeccable. Il est neuf de chez Neuf. Voilà, il n'a jamais été utilisé, donc je suis trop, trop, trop heureuse. On est sur un espèce de gris très clair, limite un peu bleuté. Mais incroyable. Le cuir est dingue, il est tellement doux, il est neuf. Je suis fan. Bijouterie argentée, enfin vraiment. Et en plus, vous avez du coup l'intérieur déjà de l'agenda, donc c'est du Hermès, bien évidemment. Mais voilà, on a déjà toutes les pages qui sont ici. Voilà, ça n'a jamais été utilisé. Hein, ça se voit, c'est neuf de chez neuf. Vous avez le petit Stamps Hermès Paris. De ce côté-là, nous avons quoi? Voilà, nous avons donc un neuf et nous avons le Stamps avec. C'est un N entouré d'un carré. Voilà, en fait, ça vous donne l'année de l'agenda. Il est incroyable, mais vraiment, il est trop mignon. L'agenda. C'est l'allié parfait. Au niveau du prix pour ce petit bébé, on est à 239 euros. Donc on est vraiment sur un très bon prix. Il est neuf de chez neuf. Vous avez la boîte, tout. L'insert également, donc les feuilles, bloc-notes. Vous avez tout. Vous pouvez bien évidemment changer et rajouter autre chose. Hein. Bien évidemment, c'est totalement faisable. Et en fait, ça s'accroche ici. Donc vraiment, c'est fait pour ici. Vous pouvez racheter des intérieurs chez Hermès, mais également chez d'autres maisons ou d'autres tierces. Mais du coup, là, c'est vraiment parfait. Donc, c'est agenda bloc-notes. Donc, là, c'est plutôt le bloc-notes. Mais ça peut aussi faire agenda en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur. Je suis trop contente parce que vraiment, la couleur est magnifique. Enfin, oh, la matière est dingue. Sinon, du coup, pour les petites explications. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Maria Valux. Je suis une très grande passionnée de maroquinerie de luxe. Je vous parle de cette passion du luxe depuis bientôt 3 ans. Donc ça commence à faire, hein. On commence à bien se connaître, hein, vous et moi. Et donc je vous fais des vidéos où je vous partage cette passion tous les mercredis et tous les dimanches. Le mercredi, c'est Backdrop Day, donc je vous fais des vidéos où je vends des pièces de luxe. Donc je suis très contente. Avec mon compagnon, on a créé ensemble le site internet BAM Luxury Store où on vous vend des sacs et accessoires de luxe en ligne, principalement seconde main. Parfois on a du neuf, là par exemple, c'est une petite pépite neuve. Et du coup, on vous fait ça tous les mercredis, c'est les nouveautés. Donc, c'est le jour des nouveautés, c'est le backdrop day. J'avais oublié de mettre mon micro. Voilà, ça m'arrive tout le temps. Je suis dégoûtée. J'espère que vous m'aurez entendu. Je vais pas refilmer la vidéo. Ah, je me déteste. Le micro était pas très loin, il était juste devant, donc peut-être que j'essaierai d'augmenter le son. Je suis dégoûtée. Oh là là, ça m'arrive tout le temps de faire ça, je vous jure. Je suis tête en l'air. Voilà. Je l'ai enlevé, je me suis dit, ouh, faut pas que j'oublie de le remettre. Je l'ai oublié. Bref, du coup, là maintenant, je l'ai, voilà. Le son sera meilleur, je suis désolée. Donc, je disais que on vous sort des nouveautés tous les mercredis à 18h par mail et ensuite, vous avez la vidéo à YouTube à 18h30. Et là, en fait, pour Noël, vous voyez souvent des vlogmas et on s'est dit, bon, nous, on va pas faire les vlogmas, on va peut-être faire les dropmas. Donc, les dropmas, ça va être quoi? C'est un drop par jour, du 1er décembre au 24 décembre, de un article de luxe, donc sac ou accessoire. Et ça va être uniquement un seul article. Les mercredis, vous aurez le drop habituel avec plusieurs articles, mais les autres jours, ce sera un par jour, mais un seul. Voilà, ce sera vraiment unique, unique, unique. Comment ça va fonctionner? Ça va être un peu différent d'habitude. Vous allez d'abord avoir la prio sur YouTube, donc la vidéo YouTube sera à 18h. Ça, c'est cool.
Et ensuite, le mail partira à 18h15. Donc, ça vous laisse vraiment le temps sur YouTube d'aller voir la vidéo quand même un petit peu. Vous avez 15 minutes. Ce temps est pour vous. Tous les jours, ce sera à 18h, sauf le mercredi. J'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, j'espère de tout mon cœur. Je voulais vraiment vous prioriser sur YouTube aussi parce que ça fait un moment qu'on est ensemble. Et je sais qu'il y en a qui sont pas un peu moins sur les mails et tout. Et puis même, je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même. Parce que des fois, vous me dites « Ah, j'ai loupé la pièce, etc. » Donc là, au moins, pas de... d'excuses, mesdames et messieurs. Non, bon, faudra quand même être assez rapide parce que ça sort sur le site aussi à 18h, donc faudra quand même être futé et rapide, je dirais. Non, mais bref, voilà. En tout cas, si vous voyez des pièces qui vous plaisent et que vous les avez loupées, écrivez-nous, on peut peut-être vous les trouver. Voilà, on fait aussi le personal shopper. Je voulais aussi vous expliquer un peu l'histoire des agendas, d'où ça sort ces agendas, parce que c'est vraiment maintenant nos alliés au quotidien. Moi, j'en ai un Vuitton. Pour le coup, mais alors le Hermès, c'est vraiment beau. Je vais peut-être me le rajouter sur ma wishlist. Et en plus, c'est pas très cher. Enfin, là, 200 et quelques euros, ça va quoi. Enfin, pour du Hermès, on est sur du cuir Hermès en plus. Enfin, bon, bref, voilà. J'ai pas épilogué plus longtemps là-dessus. Mais je voulais vous expliquer un peu l'histoire de l'agenda, d'où ça sort, parce que c'est vraiment un truc qu'on utilise au quotidien. Moi, j'ai le Louis Vuitton et j'utilise aussi un agenda digital. Mais j'adore mon agenda papier, enfin vraiment, j'adore. Donc, le premier agenda, en fait, il a été bricolé en 1921, c'est le colonel Disney. Et en fait, il s'est bricolé ça pour noter un peu ses notes, les mises à jour, tout ce qui se passait pendant la Première Guerre mondiale. C'était un vétéran, c'était un colonel et vétéran de l'armée britannique. Et en 1921, il décide de se créer son petit agenda avec ses notes, etc. Donc, voilà d'où ça sort l'agenda. Et il décide d'ajouter une petite partie avec les carnets d'adresses, des notes, un agenda avec les jours, etc. Et il a décidé de le faire de 17 cm, ça permettait vraiment de rentrer dans la poche du soldat. Donc c'était vraiment à la base fait vraiment pour les militaires, les soldats. Le premier agenda s'appelait en fait à l'époque File of Facts, donc c'était rangement de données, donc c'était vraiment pour compiler les données, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas de téléphone ni de bloc-notes ou quoi. Et donc c'était vraiment à la base un agenda bloc-notes. Voilà. Et ensuite ils ont changé le nom, ils l'ont appelé File of Facts. Voilà, me demandez pas pourquoi, File of Facts. Là pour le coup je n'explique pas le nom, c'est assez rigolo du coup. Mais voilà, on reste quand même sur ce genre de... On reste maintenant sur ce genre aussi de taille. On a plusieurs tailles désormais, mais on reste quand même sur des tailles qui sont axées petits, pour pas que ce soit trop grand les agendas en général. Bon, il y a toutes les tailles aujourd'hui, mais en général, vous voyez des petits agendas parce que c'est pratique pour mettre dans vos sacs et les emporter partout avec vous. Mais voilà d'où vient un peu l'agenda. Je trouvais ça assez marrant de vous expliquer un peu l'histoire de l'agenda parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément d'où ça vient. Mais voilà, ça vient vraiment des soldats, de l'armée et la praticité en fait de mettre toutes ces petites notes à l'intérieur. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo. Et je vous retrouve bien évidemment pour un nouveau Drop Must demain. Bisous, bye.